Hey guys, comment nous? Je souhaite que tout le monde en forme. Moi, je tourne encore pour nous parler de football. Surtout concernant la Ligue des Champions et l'autre match qui était joué hier. Hier, il y a 4 matchs qui étaient joués. Côté Real Madrid, tu joué avec Elche. Real Madrid t'a battu 4 à 0. Benzema t'a fait 2 goals, tout de tes pénalités. Asensio t'a marqué un goal. Et Modric t'a marqué un autre goal. Et puis, dans la Ligue des Champions, il y a un match Chelsea avec Dortmund. Le match a été joué avec Dortmund. Dortmund bat Chelsea 1 à 0. C'est Adeyemi qui a marqué le goal là. Nous connaissons Chelsea, c'est une équipe qui fait plus d'investissement entre sommet et avec le marché de transfert hivernal là. Mais malgré tout, l'équipe Chelsea n'a pas bien marché. N'est-ce pas bien marché, nous connaissons mal positionné dans le championnat de la Cayoua. Et même Ligue des Champions là, yo peut gagner un petit match aller. Gain chance toujours, ça c'est juste match aller qui a perdu, gain match retour qui a bien pu jouer la caillou. Nous connaissons Chelsea ta font victoire 2-0, Chelsea a qualifié. Mais pour l'instant, c'est Dortmund qui a avantage là avec victoire fait la caillou. N'importe match nul, yo fait cal Chelsea, y a qualifié. So toute bagarre est toujours open, toute bagarre possible dans groupe là. Chelsea beaucoup éliminé. Mais Dortmund a un avantage sur lui. Bah, l'autre match dans la Ligue des Champions, c'était Club Brugge qui jouait avec Benfica. Côté Club Brugge, tombé la Cali 2 à 0 face à Benfica. C'est Mario qui était marqué. Premier goal là pour Benfica sous pénalité. Mario, nous connexion internationale portugaise. Mais c'était dans la Coupe du Monde là. Et mais c'était font passage dans Inter de Milan. Après ça, il était tourné la Cali, que ça va marcher bien pour lui en Italie. Nous avons Neres qui sont internationaux brésiliens, qui ont fait deuxième goal là, mais c'était contre une équipe en Hollande, dans Ajax. Arrivé Anthony, dans Ajax, c'était venu faire, mais c'est comme ce petit place titulaire. Après ça, mais c'est allé dans Shakhtar, de Shakhtar, mais c'est allé dans Benfica. Mais c'est pas commencé match là, ils étaient sous banc, ils étaient montés, et mais c'est arrivé font un bel goal. C'est un très bel goal. Benfica m'a battu Club Brugge 2 à 0. Après ça, c'est un championnat d'Angleterre. C'est un match qui était un gros match qui était très très important. Côté Arsenal, tu joué avec Manchester City. Nous connaissons Arsenal qui a dominé le championnat. Arsenal était en tête et Manchester City était en deuxième position. Match a été important pour toutes les équipes. Si Arsenal te bat, il a un point avance en plus sur City. Et City qui bat, qui vient permettre pour l'instant de prendre tête classement. Mais pas oublier que Arsenal a un match en retard. Si Arsenal a un match en retard, il a pris tête classement. Mais pour l'instant, c'est City qui prend tête classement. Et le match a été fini 3 à 1. Côté Saka a été marqué pour Arsenal. Et pour Manchester City, De Bruyne a été marqué, Grealish a été marqué, et l'inévitable Haaland a été marqué. Et ça fait Haaland 26e goal dans le championnat. Mes amis, première saison pitié. Hein? Monsieur s'est crasé, l'a crasé le championnat avec goal. Alan a mis en pile record. Nous mettons ça, il commence et il continue. Quand il y a pour journée, je dis, il n'y a pas de pile match. Il y a une Coupe de l'UEFA et une Conference League. Mais match FA, Coupe de l'UEFA, je dis, c'est Barcelone avec Manchester United. C'est un match ça qui attire l'attention plus de monde. C'est un match ça en pile mon abtan. Pour moi, c'est un match qui est ouvert. Mon ka di ki 50-50 parce que tout deux équipes en forme. Moi pense youn ka bat l'autre. Comme ça tout ka un match nul. Mais on moun pa la supposé courir faire folie pour dire telle équipe va battre telle équipe va battre. Oui, youn n'importe youn ka bat l'autre, mais nous li pas on garanti que c'est Barcelone ka bat ni que c'est Manchester United ka bat parce que tout deux équipes en forme. Y a bien marché dans moment tout baga bien marché pour eux. Nous connaissons Barcelone li dans tête championnat la Caillien. Manchester United n'est pas dans tête championnat, mais il n'a pas mal marché du tout. Nouveau entraîneur corrigé en pile bagarre dans l'équipe là, l'équipe là bien marché. Et surtout, il y a bien présence Casemiro dans mi-temps terrain jeudi. Hein? Nous connaissons Casemiro suspendu dans championnat à cause de pour carton rouge, même s'il est disponible pour jouer match là. Après ça, il y a une équipe AS Roma qui a joué avec Leipzig. C'est la saison bel match, on connaît AS Roma qui est entraîneur vedette. Oh, c'est Mourinho qui prend. Hey guys, comment vous?
tout bagay possible. Je souhaite que tout le monde en Et forme. gen pil lot Moi, tout match. le monde encore pour nous parler de Rete football. branche tout moun. Surtout concernant Pou la Ligue plus des informasyon Champions. ma pote Et lot l'autre match qui te vide joué. nou. La gen informasyon pou nou. Hier, Mbap gen 4 rezultat match. matchs qui te joué. Barcelone, Manchester United la pou nou. Côté Real Madrid te joué avec Et Elche. Et tout l'informasyon ki te joué. Real Madrid te bat 4-0. Ki tap su. Benzema te fait 2 gols. Tout de te pénalité. Asensio te marqué un gol. Et Modric te marqué un autre gol. Et puis, dans la Ligue des Champions, te gon